nuovo non ti salveranno, perché siamo noi che facciamo la ricchezza di questo paese, con il nostro sudore, con la nostra fronte, con le nostre braccia, con la nostra intelligenza. Dedicati a una struttura di comuni che hanno percentuali che non possono gestire. Trieste, Ronchin, vai Francesca. Sì, voi andrete avanti comunque, cosa farete? Ma noi abbiamo indetto questo blocco venerdì, speriamo che dal governo arrivi un segnale forte, magari di un passo indietro. Ma chi ha detto che non lo farà un passo indietro? Noi andremo avanti, allora noi andremo ad oltranza fino a quando la nostra lotta non andrà a buon fine, basta. A oltranza cosa vuol dire? Bonjour à tous, très chers auditeurs et auditrices. Vous écoutez bien la voix de Portici. Nous sommes le 17 octobre 2021 et nous allons parler de l'actualité italienne. C'est parti. Depuis la venue de Mario Draghi comme chef de file du gouvernement italien en février 2021 à la demande du président Sergio Mattarella, l'Italie sombre chaque jour un peu plus dans le chaos. Dès sa mise en poste, l'ancien président de la BCE et figure de proue de l'État profond européiste a mis en route les réformes pro-Europe attendues depuis belle lurette par l'Union européenne. Réformes qui permettront au pays en forme de longue botte d'encaisser un total de 191,5 milliards d'euros sur 6 ans. Nous nous souvenons des airs satisfaits des européistes des plateaux télé, comme Jean-Michel Afati, devant l'adhésion au gouvernement Draghi d'un Matteo Salvini, qui, en décembre 2020 encore, comparait l'Union européenne à un nid de serpents. De cauchemar de l'Europe, en 2019, comme le titre le journal L'Écho, que vous pouvez voir à l'écran, le nom de Matteo Salvini résonne aujourd'hui comme son plus profond rêve de soumission. C'est dire le niveau de sa décadence. Ce dernier a d'ailleurs payé très cher ses ambiguïtés qui ont permis à la chef du parti Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, de se hisser dans les sondages, devenant ainsi la seule figure d'opposition dans un pays ravagé par des alliances politiques confusionnistes. Du centre-gauche en passant par la Ligue, jusqu'au mouvement 5 étoiles, tous ont fait alliance avec Draghi, excepté Giorgia Meloni. D'ailleurs, fait important et d'actualité, le premier test de crédibilité pour le gouvernement Draghi se clôturera le 18 octobre 2021, soit demain, date qui marquera la fin du deuxième tour des municipales. Pour résumer très brièvement la situation, au-delà de ses autres alliés politiques, si le parti centre-gauche, qui est le plus solide soutien de Mario Draghi, emporte plusieurs villes importantes d'Italie, ce sera un triomphe pour l'ancien président de la Banque Centrale Européenne, grande productrice de monnaie de singe. Par contre, gare aux potentielles victoires du parti de la deuxième personnalité préférée des Italiens, Giorgia Meloni, dont le discours anti-mesures liberticides quant à la politique Covid de Mario Draghi rentre en résonance avec ce dont je vais vous parler dans un instant. Mais il était important pour moi que vous compreniez la tension palpable dans ce pays qui était à deux doigts d'échapper au contrôle de Bruxelles. Donc, pour rester dans cette ambiance de contrôle bruxellois, s'il y a une mesure liberticide de Mario Draghi qui est en train de créer un véritable climat de chaos en Italie, c'est bien le Green Pass ou le pass sanitaire, peu importe comment vous l'appelez. D'ailleurs, je me demande toujours les raisons pour lesquelles ils lui ont donné un nom anglais.
C'est intéressant de voir ces dirigeants UBU repeindre en vert des mesures tyranniques, dédicaces à leur pseudo-engagement pour la lutte contre le climat. Bref, fin de ma digression, une véritable atmosphère de tension sociale se propage en Italie à cause de ce pass sanitaire que Mario Draghi a fait muer en permis de travail. Où est donc passée la Cour européenne des droits de l'homme ? Où sont passés ces dirigeants toujours prompts à dénoncer le malheur quand il a lieu dans des pays moyen-orientaux ? Tout ceci n'est que mascarade. Pendant qu'en France, le ministre de la Santé se prépare à faire du chantage à l'égard des doubles vaccinés afin, à l'instar de ce qu'il se passe chez le piètre modèle qu'est Israël, de les obliger à recevoir une troisième dose sans quoi leur passe sanitaire serait désactivé, en Italie, Mario Draghi hausse le ton. Le passe sanitaire est obligatoire sur tous les lieux de travail depuis le vendredi 15 octobre 2021 et ceux qui refusent le vaccin et le test perdront leur salaire. Mais comme l'indique ce journal suisse, le pays risque de sombrer dans le chaos. Et il ne croit pas si bien dire, car si les périodes sombres font naître des lumières, ce qu'a réussi à faire Stefano Puzzer est à regarder comme un phare pour les peuples opprimés. Raison pour laquelle, à mon sens, de vous à moi, je ne suis pas très étonné du mutisme de nos médias à l'égard de ce qu'il s'y passe. Car il ne faudrait tout de même pas que vous vous en inspiriez. Ça ferait beaucoup trop de mal au pouvoir. Mais comme vous êtes là à écouter la voix de Portici, c'est que vous êtes de la race des vaillants. Donc vous méritez de recevoir une nourriture autre que la variée déversée par nos chaînes en continu. Abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà le cas, likez la vidéo, soutenez mon travail via PayPal ou Tipeee, lien en description. Bref, merci d'avance, je continue. Qui est donc Stefano Puzzer et qu'a-t-il fait pour contester les mesures de Mario Draghi ? Eh bien, pour répondre à cela, je vais vous lire un article très bien écrit du Courrier International qui date d'hier, tiens, à savoir du 16 octobre 2021. Comment Trieste est devenu l'épicentre de la contestation contre le pass sanitaire ? Depuis plusieurs semaines, Trieste rassemble davantage de manifestants contre le pass sanitaire que Milan ou Rome. Et le 15 octobre, son port a travaillé au ralenti à cause d'un blocus. Pourquoi le mouvement de contestation est si fort dans cette petite ville du nord-est de la péninsule ? C'est une cité portuaire à l'apparence paisible et prospère, qui se trouve à la frontière avec la Slovénie. Trieste, 200 000 habitants, est une ville discrète, plus connue pour son héritage historique singulier, à la croisée entre le monde slave, l'Empire austro-hongrois et l'Italie, que pour son caractère rebelle. C'est pourtant ici que samedi dernier, la manifestation contre le Green Pass, la version italienne du pass sanitaire, a été la plus imposante, avec pas moins de 15 000 participants. Et ce n'est pas tout. Vendredi 15 octobre, les yeux de tous les médias italiens étaient encore braqués sur la capitale du Frioul, où les travailleurs portuaires ont érigé un barrage filtrant qui a ralenti l'activité du port. Une forme de contestation qui, selon le leader du CLPT, le Comité des travailleurs du port de Trieste, Stefano Puzzer, n'empêche pas de travailler ceux qui veulent travailler. Toutefois, le CLPT a annoncé son intention de prolonger sa grève, et ce, malgré la tentative de médiation du gouvernement. On n'accepte pas la proposition de test gratuit, nous défendons notre libre arbitre et on ne s'arrêtera pas tant que l'obligation ne sera pas levée. Trieste, Ronchin, vai Francesca. Guardi, io volevo dire solo una cosa con tutta tranquillità e la dignità del caso. Secondo me adesso fra due giorni avremo problemi veramente con persone che rimarranno senza stipendio e secondo me è l'ora che in Italia la finiamo di discutere di fascismo e comunismo perché qui veramente le persone avranno bisogno dello Stato per mantenersi. Quindi cominciamo a pensare alle persone, non ideologie, che ci stanno dividendo da una vita, per favore. Fammi sentire altri colleghi. Insomma, la preoccupazione c'è. Fammi sentire anche gli altri colleghi, prego. Voi andrete avanti comunque, cosa farete? Ma noi abbiamo indetto questo blocco venerdì. Speriamo che dal governo arrivi un segnale forte, magari di un passo indietro. E qui. Andremo ad oltranza fino a quando la nostra lotta non andrà a buon fine. Basta. A oltranza cosa vuol dire? Migliaia di email, di messaggi. Sì, ma a oltranza cosa vuol dire? Fino a quando non verrà rispettata.
Vuol dire che fino a quando non verrà tolto il Green Pass noi andremo avanti, anche da soli. Stiamo ricevendo migliaia e migliaia di messaggi da tutta Italia. Questo nostro grido deve essere ascoltato, perché noi non stiamo facendo solo per i portuali. Stiamo facendo veramente per gli italiani, ci stiamo sostituendo allo Stato, e questo a me dispiace, perché io credevo nello Stato, invece ci tocca a noi prendere le sue responsabilità, e questo vuol dire essere arrivati alla fine. Ma vede, io ho molto rispetto per lei. Il problema è questo, perché adesso gli stessi che hanno messo in pericolo la propria incolumità, le proprie famiglie, adesso sono ricattati. Se non ti fai il vaccino o i tamponi, tu non potrai andare a lavorare. Ma le condizioni sono le stesse di prima. Scusi, perché vaccinarsi è un elemento di sicurezza collettiva per lei e per gli altri. Cioè, io non mi sento ricattata che mi sono vaccinata e che quando vengo qui alla mattina mostro il Green Pass. È questo che faccio un po' fatica a capire. Ma neanch'io mi sono sentito ricattato. Io ho fatto il vaccino perché secondo me era una misura sanitaria. Però ho anche il rispetto della libertà di scelta dei miei colleghi. Quanti sono tra i suoi colleghi che Novax, quelli che non si vogliono vaccinare? Allora, tra i miei colleghi che non vogliono farsi il vaccino, non sono Novax, ma non vogliono fare il vaccino, sono il 40%, e quindi esatto, sono 400 unità. E come mai sono tanti, secondo lei? Perché nelle altre categorie sono molto meno. Qual è la particolarità? Ma noi, parlando fra di noi, quasi la totalità delle persone non si sente sicura a fare questo vaccino, perché o è stata mal informata, c'è stata poca informazione e soprattutto non si sente sicura. E lei dice che la libertà di chi non si sente sicuro va rispettata, però lei sa anche bene come me che quella libertà in qualche io modo... Io dico che la libertà di chiunque vada rispettata. No, ma quello che ci stavo cercando... Voilà comment un petit pousset comme la ville de Trieste arrive à tenir tête à tout un gouvernement grâce à un blocus portuaire hautement stratégique. Et d'ailleurs, pour véritablement mesurer l'importance de ce port, j'ai interrogé une personne proche d'origine italienne qui n'est certes pas experte en géostratégie, mais qui m'a bien aidé à en savoir un peu plus. Alors, pour ce qui concerne Trieste, c'est, je crois que c'est le troisième port le plus important d'Europe. Donc, en bloquant Trieste, on bloque quasi toute l'Europe. Voilà. C'est pour ça que c'est stratégique et c'est pour ça que déjà Draghi est en train de faire un petit peu marche arrière par tout ça. Elle a quand même dit aux entreprises de faire les tests PCR pour ceux qui ne veulent pas se vacciner, qui n'ont pas le Green Pass gratuit déjà. Donc, mais ils veulent absolument, parce que parmi eux, il n'y a pas que des Green Pass, il y a aussi des no Green Pass, il y a aussi des Novax, donc des gens qui ne veulent pas se vacciner. Donc, du coup, je pense qu'ils veulent absolument que ce Green Pass, ça disparaisse. Je ne sais pas combien de temps ça va. C'est à bras de fer, en pratique, entre eux et Draghi. Et s'ils tiennent le coup, je crois qu'ils y arriveront, mais il faut vraiment qu'ils tiennent le coup. Mais vraiment, vraiment là. Parce que là, ils sont vraiment, ils ont touché le nerf névralgique. Vraiment, à Trieste, c'est vraiment ce que je te dis, moi. Tu peux d'ailleurs faire une recherche sur Google, regarder le port de Trieste. Vraiment, c'est stratégique. Voilà. Effectivement, j'ai regardé sur Google et quelle n'était pas ma surprise. Le port de Trieste, point de passage des nouvelles routes de la soie. Pour ceux qui connaissent un petit peu l'actualité chinoise, eh bien, vous ne serez pas étonnés d'entendre parler de ce terme « route de la soie ». Le port de Trieste jouera un rôle prépondérant dans cette nouvelle expansion économique de la Chine. Que nous apprend d'autre les journaux? L'Europe met à disposition 45 millions d'euros pour développer le port de Trieste. Et qu'est-ce qu'on peut lire dans ce document de la Banque économique d'investissement? Premier port ferroviaire d'Italie, le port de Trieste est doté d'un réseau ferré interne de 70 km de voies connectés aux réseaux nationaux et internationaux permettant à l'ensemble de ses quais d'être desservis par rail et aux trains de marchandises d'être assemblés directement dans ses différents terminaux. Chaque mois, plus de 400 trains relient le port de Trieste aux zones manufacturières et industrielles d'Italie du Nord-Est
et d'Europe centrale et affiche des destinations aussi diverses que l'Allemagne, l'Autriche, la Tchéquie, la Hongrie, la Suisse ou le Luxembourg. Et un article du journal L'Opinion indique, au sujet du port de Trieste, pourquoi les Allemands investissent dans le port de Trieste, et on lit ici, en préambule, « Au cours de la dernière décennie, le port italien est redevenu central pour les activités commerciales en Europe, notamment centrale et de l'Est. » Donc pas de doute, ils ont fait fort. Et le pire, c'est qu'ils ont même été suivis du côté de Gênes, parce que vous savez, à Gênes, il y a aussi un port, où des blocus ont lieu à cet instant. Et vous savez quoi? Ils sont fortement soutenus par la population qui vient les ravitailler en nourriture. C'est pas beau, ça? Ça se passe à Trieste, ça. Vous voyez la ferveur populaire? Là, on voit toutes les manifestations qui ont lieu partout en Italie. Ici, c'est à Rimini. Bref, vous avez compris. Bref, vous avez bien compris, l'importance de ces ports sont essentielles pour le commerce national et international. C'est la raison pour laquelle tous les médias italiens parlent de ce qui se passe dans cette petite ville italienne. C'est vraiment un coup de génie, au lieu de passer ses jours à défiler dehors, ne serait-il pas temps de s'inspirer de Trieste et de bloquer le pays, pour reprendre le vocable de Florent Philippot ? Ce serait non seulement beaucoup plus médiatisé et hautement plus efficace. Il est possible de faire bouger les lignes en ayant un esprit de corps, comme vous l'avez vu en Italie. Si une minorité dans la sphère financière ou politique arrive à contrôler les points névralgiques du monde, à combien plus forte raison le peuple? Si 40 ou même 30% des Français sont contre le pass et le monde de contrôle dont il est réellement le nom, comme le révèle l'entreprise Thales, alors ceux-là peuvent réellement faire changer les choses. Comme le dit si bien Idriss Aberkane dans sa dernière vidéo, quand vous installez des bornes de contrôle de passe sanitaire à 20 000 balles, ce n'est pas pour les enlever le 15 novembre. Le Forum économique de Davos, en faisant la publicité encore dernièrement du monde dystopique de demain sur Twitter, ne cesse de jouir de bonheur devant la situation chaotique actuelle provoquée par le Covid et surtout sa gestion politique. Mais sachez une chose, si le monde va mal, c'est avant tout à cause de ses citoyens qui se complaisent dans la paresse et la médiocrité. On a les dirigeants qu'on mérite. Bon, revenons maintenant à la situation tendue au sein de la société italienne. Force est de constater que derrière ce bras de fer opposant Mario Draghi et une certaine frange de la population italienne se cachent entre autres des enjeux électoraux. Repensez à ce dont je vous ai parlé au tout début, à savoir les échéances des élections municipales, qui sont très importantes. Mario Draghi sait qu'il est dans une situation délicate, il doit plaire à son électorat et ne pas perdre la main. Cela me fait un petit peu penser à ce qui se passe en France avec Emmanuel Macron, qui cherche à plaire à son électorat, ses boomers, qui se complaisent de ses lois liberticides qui frappent l'avenir de la jeunesse. Donc Mario Draghi sait qu'il ne doit pas perdre la main, il fera tout pour tenir. Et de l'autre côté, on verra si des politiques comme Giorgia Meloni, qui est la seule à dénoncer la gestion du Covid de Mario Draghi, arrivera à avoir des résultats probants lors des élections municipales. A noter que Giorgia Meloni ne se présente pas pour les élections municipales, mais plutôt d'autres membres de son parti politique, car elle vise désormais beaucoup plus haut. Qui gagnera le bras de fer en Italie? La population ou Mario Draghi? Nul ne le sait pour le moment, l'avenir nous le dira. Mais une chose est sûre, quelle que soit l'issue de cette situation, ceux qui auront lutté contre l'oppression pourront se regarder dans une glace
et pourront regarder leur progéniture en face en leur disant qu'ils ont tout fait pour lutter. Forza Italia, c'était la voix de Portici. Portez-vous bien.